tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de savon, une saponification à froid. C'est une pâte à savon que j'ai déjà fait mais que je n'avais pas filmée. Et je l'aime beaucoup, donc j'ai décidé de la refaire. Il y aura trois savons que je vais faire aujourd'hui avec la même pâte. Je vais en faire pour 1 kg avec un surgraissage à 8%. À l'intérieur, j'ai mis 392 g d'huile d'olive, 180 g d'huile de coco, 63 g de beurre de cacao et 53 g d'huile de ricin. J'ai rajouté 94 g de soude et 217 g d'eau. Je vais encore ajouter la fragrance jasmin de la folie des senteurs. J'ai préparé des mica, je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai déjà préparé ma soude et mon eau. Donc j'ai mélangé 94 g de soude caustique avec 217 g d'eau. J'ai incorporé ma soude à mon eau et jamais le contraire. Comme d'habitude, je vous rappelle encore les mesures de sécurité. Nous avons besoin de gants, de lunettes de sécurité, d'un masque et de vinaigre à proximité au cas où la soude giclerait. Je crois que je vous ai tout dit. Comme d'habitude, je vais encore essayer un nouveau marbrage et comme d'habitude, je ne sais pas si ça va fonctionner. On verra bien. Je m'équipe et on va pouvoir y aller. Je vous laisse regarder tout ça en musique.
Thank you.
terminé. On verra bien à la découpe si mon dégradé a fonctionné. En tout cas, la pâte s'est bien travaillée comme je voulais. La fragrance n'a pas fait tracer. On verra bien le résultat à la découpe. Je vais le couvrir d'un film cellophane. Avant de le recouvrir, je vais le gicler avec mes paillettes argentées. Je ne sais pas si elles servent à quelque chose, mais bon. Alors, je le recouvre avec un film plastique. Je vais mettre encore une serviette par-dessus et je vais les laisser comme ça pendant 24 à 48 heures jusqu'à ce qu'il soit sec et que je puisse le démouler. Alors, à tout à l'heure. Me revoilà 48 heures après. J'ai démoulé mes savons et je les ai coupés. Alors, voilà ce que ça donne une fois démoulé et coupé. Donc, il y a un dégradé. J'obtiens déjà un résultat. Je suis quand même contente. Je vais les mettre en cure pendant 4 à 6 semaines à l'abri de la lumière dans un endroit sec. Je les testerai et bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dans un de ces prochains bilans. Alors, j'espère que cette recette vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye !